En nog maar afwachten wat die NDI en Duranville, daar hebben we al wat dingen van gezien. De zone was altijd Verbeets, Verstraat. En dan on oublie Walsh. La remise, que si c'est passé avec Wesley Hoed. Kijk, de VAR. Het is twee handen. De règles zijn tellement changeant, les interprétations surtout. Maar dat moet je niet doen. Dit is meestal het teken dat de bal op de stip gaat. Est-ce que les Malinois vont passer devant? Eh oui, calmement, tranquillement, contre-pied parfait de Jordi Van Lerberg. C'est 1-0. Staat redelijk schuin, maar dan binnenkant. Voet goed weggelegd. Is goed getrapt hoor. Een man en Esposito dus. 5 minuten te laat zou ik zeggen. Bolingoli. Storm gaat ongetwijfeld naar zijn rechter en trap. Per n'est pas loin. Allez, boom, comme elle vient. Non, c'est pas possible, Verstraat. Ça va revenir là-bas, mais on n'y est toujours pas, Anderlecht. Et maintenant, les points de Van Krombrugge. Bolingoli. Dat is goed voor weg. Inderdaad. Silva schiet zelf. Ilja Verstraat. Ah, et la perte de balle malinoise avec Verskaren maintenant à distance. Bien. Ah, ah, ja, ja. Silva, weglopen van Verskaren opnieuw. Zijn het, derde keer. Hermans, Storm. Ouais, il peut lui donner. Et il aime bien, il aime bien. C'est la spéciale, hein, évidemment. 4-3-3. Nou ja, dus we hadden 4-3, Fabio en Silva. Fabio Silva met een grote kans, 1-1. En Koeken die redt. En de tweede instantie de goal. Stroeikens. Hij scoort. Met zijn eerste balcontact. Mario Stroeikens. Wat een binnenkomer en wat een domper voor KV Mechelen. Maar Anderlecht is plots in de wedstrijd. Nou, toch een beetje geknoei daar achterin bij KV Mechelen, moeten we zeggen. Bien joué de la part de Fabio Silva qui pousse son défenseur à la faute. Est-ce qu'on de réclamer une faute d'ailleurs, mais je pense pas que ce soit le cas. Les dernières consignes et puis là il n'y a absolument rien. Bates il se fait bouger comme un gamin. Bien joué de Cook. Est-ce bien resté sur ses appuis et puis malgré la glissade de Mouzou. Ça kan nog een zeer interessante tweede helft worden. Is het nu al. Een gooi. Afleggen maar. Van Lerbergen, ook hij weer daar opgedoken. Walsh niet, Hermans wel. En Van Lerbergen dan maar. Van Lerbergen. Hermans, ouais, il fait ce qu'il veut, Hermans. Walsh, qui résiste à Rafaelov. Encore une fois en retrait, Bolingoli contrôle frappe et but. Oh! Via Bolingoli toch weer Rob Schoofs en de vrijheid voor Hermans. Binnenkant paal, nee, buitenkant paal. Quelque chose, on le sait. Rafaelov. Rafaelov. NDI maintenant. Silva qui passe devant. Silva er vandoor. Het kan ook nog naar Rafaelov of zelf Silva. En de rebound. Opnieuw Stroeikens. Maar Koeken die maar half afweert. En Anderlecht staat 1-2 voor. Mario Stroeikens, de man van de match. Neem die dan maar als player to watch, zou ik zeggen. Ja. Op gelijkaardige wijze eerst Fabio Silva weg in een 1-tegen-1 met Koeken. Hij raakt er niet voorbij, maar Stroeikens ten tweede malen goed gevolgd. En weer goed afgewerkt nu in het dak van het doel. Chevauché, maar bon, au moins son action permet à Stroeikens de suivre et de marquer. Il y a pas mal de solidarité évidemment avec le premier but. Parce qu'il peut lui glisser en retrait. Hein. Oui. Il peut directement, voilà, ils ont un... Là, au moment où il se décale fort, l'angle devient de plus en plus fermé. Et là, surtout, ça devient difficile de pouvoir la mettre. Ouais. Oui, surtout comme ça, il doit la croiser Ratsol. Alors, oui, 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 tout à fait. Oui. Ah, parce que là, de cette manière-là, mi-hauteur pour le gardien, c'est du ouais, pas bénéfice. Mais au moment où il fait son dernier contrôle de l'extérieur, je pense que là, Koeken prend le dessus dans sa sortie. Bref, peu importe. Verskaren. C'est quand même le seul qui est en mouvement à chaque fois. C'est le seul qui est en mouvement et il le marque. Son but, ça faisait un mois qu'il l'attendait. 5 rencontres, 2 actions déjà aujourd'hui. Et là, il peut fêter
1-3 pour le Sporting d'Anderlecht et Felice Mazzu qui peut souffler, on l'a vu sur son visage là. Voelen van, we hebben de juiste ingrepen nu gedaan. Goede connectie tussen de twee. De een die had begrepen waar Silva hem wou. En hij stak hem er heerlijk doorheen. En legt hem ook wel heel goed weg. Dan gaan we op dit beeld nog beter zien. Er is niet zo heel veel foutenmarge. In het zijnetje, zoals we dan zeggen. 1-3. En alles binnen, qua efficiëntie, elke kans een goal. Toute dernière seconde et peut-être même une reconversion possible pour Anderlecht. Struikens en attend avec Benito Raman qui file vers le but. Raman, Verstraat, Raman quand même. Aïe! Raman, qu'est-ce qu'il nous fait là? Hij had zich deze namiddag anders voorgesteld. En al zeker na de eerste helft. En die van Anderlecht, ja, die zijn opgestaan uit de doden. Het leek over. De manier waarop, vooral, was schrijnend. 2,33 minuten lang. En Mario Struikens joeg meteen de paarswitte vlam in de pan na de rust. En maakte zowaar een tweede. Uit een handvol kansen maakte Anderlecht 3 goals. De 5.